Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle page de Scrapbooking, nouvelle vidéo. On va dire que c'est la première de la nouvelle saison, on est d'accord? Oui, j'ai deux petites chouquettes, au cas où, si tu avais remarqué, deux petites chouquettes sur la tête. Bah, on essaie des styles capillaires, quoi. Non, enfin bref. Allez, on est là pour une page qui va être très simple, très rapide. Je vous lance le papa tout de suite et je reviens tout de suite après. Donc pour cette page, je vais faire un fond assez simple. Donc déjà, j'ai pris une page noire. Je vais prendre, donc là, c'est le pochoir mandala. Donc vous pouvez remarquer aussi que vos enveloppes servent de protège-feuille. Parce que en fait, j'ai pas envie de tacher le fond. Voilà, donc hop. Hop. Il me faudrait deux autres petits trucs, j'en ai pas. Hop et hop. Et en fait, je vais, comme vous pouvez voir, j'ai déjà essayé une fois et en fait, j'ai raté ma feuille. Donc, je fais, c'est le deuxième effet. La deuxième fois que je le fais. Et en fait, je vais faire du fond orange, jaune et blanc. Seul truc, c'est qu'il faut bien que j'arrive à caler mon pochoir pour éviter qu'il se lève. Et pour cela, je prends des ce que j'ai trouvé en fait. Donc là, c'est des écrous et des vis. Et en fait, à vrai dire, j'ai même pas d'écrous, j'ai que des vis. Un roulement. Hop, hop, hop. Donc là, je vais faire du orange. Je vais même le faire tenir aussi avec un pinceau. Hop. Je vais faire du jaune. Le jaune qui veut pas. Donc un autre jaune. Et je vais faire du blanc. Voilà, de toute façon, là, je pense qu'il y aura ma photo. On va voir ce que ça donne. Il y avait une vis là. Oui, d'accord. Faut que j'arrive à le recaler. Ça doit être ça. Hop, je vais faire quelques petites taches autour quand même. Donc ma photo, je vais la mettre là. Vous pouvez l'apercevoir sur un coin. Hop. Alors on les voit pas à la caméra, mais il y a bien des taches.
Est-ce que je la mets comme ça ou comme ça? Je crois que je vais la retailler un petit peu quand même. Hop. Je vais faire un matage à ma photo. Donc là, je vais prendre blanc, papier déchiré que je viens de faire. Hop. On va commencer par un coin, ce serait pas mal. J'ai recoupé ma photo. Ah, je suis vraiment teubé, hein. Arrive un moment, il n'y aura plus rien sur la photo, quoi. Ah, c'est bon. Hop. Hop. En fait, je vais rajouter quelques... petite chute de papier. Bah là c'est pas des chutes fatalement parce que je les découpe, mais ça aurait pu être des chutes. Un peu grand. Non, c'est pas celle-ci. En fait, je crois que le blanc, elle va pas du tout avec, en fait. Je le ferai noir, ça serait mieux. Déjà, je vais gratter tout ça. Hop. Hop. Donc si je mets le blanc, alors je pense que le noir ça fera beaucoup mieux. Hop.
Ah, il manquerait presque le distressage au niveau des trucs, au niveau des papiers. Juste un petit badge love que je vais mettre là. Et je vais arrêter là-dessus. Donc voici ma page que vous avez pu la voir. Quoi dire de plus? J'ai utilisé le pochoir mandala, large mandala exactement, qui je préfère préciser est en série limitée. Voilà. Ouais, je fais des séries limitées, je suis un mec relou moi. Le badge, donc le badge de ma boutique et après le reste de la bombe de peinture, du papier, voilà. Elle est plutôt simple pour le retour au scrapbooking. J'espère que cette page vous aura plu. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais, Romain, on espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, et je te dis à toi qui regarde, mets un pouce bleu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.